partout dans le monde, l'hospitalité commence par un verre d'eau fraîche. Spécialiste du traitement de l'eau depuis 60 ans, Culligan vous permet aujourd'hui de respecter cette tradition. Dans votre entreprise ou dans votre commerce, vous pouvez offrir à vos collaborateurs et à vos clients une eau de source naturelle. Il vous suffit de louer la source Culligan. Culligan met à votre disposition un distributeur d'eau de source, réfrigérée ou à température ambiante, pour 75 francs par mois. L'expérience du service, acquise en France par Culligan auprès de plus d'un million de clients, vous garantit la livraison en temps voulu des bonbonnes d'eau et des gobelets nécessaires. Vous pouvez être tranquille, la source Culligan ne tarit jamais. Alors, pour assurer le bien-être de vos salariés et de vos clients, de façon saine et économique, pour toute information, téléphonez dès maintenant au 0800 512 512. Culligan, spécialiste de l'eau depuis 60 ans. Merci, monsieur Culligan. Tu lui as dit où on va ? Chut, la voilà. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux ? T'emmène à la campagne. À la campagne ? Regarde par la fenêtre. Oh ! Une voiture de location ? Depuis que je suis... Seigneur. Oui, c'est-à-dire depuis que j'ai plus de... 55 ans. Oui, merci. J'en profite. Si j'ai acheté la carte Avis Club Senior... Oui, c'est parce que... 1. Ça nous donne des tarifs de location très intéressants et sans surprise. 2. Elle s'amortit pratiquement à la première location. Et 3. Avec un tout petit supplément, Avis livre la voiture où on veut. Oui, évidemment. Mais on avait vraiment besoin d'une voiture aussi énorme que pour ça. Pour le prix d'une petite voiture, grâce à la carte Avis Club Senior... On nous en offre une plus grande. Est-ce qu'il fallait refuser ? Oh non, non ! Oh, ça va nous changer de la nôtre. En plus, elle est toute neuve. Ils nous soignent chez Avis. Chez eux, les voitures ont en moyenne 4 mois. Et puis c'est partout. À chaque location, on cumule des points de fidélité. Et très vite, on aura une location gratuite. Tu veux conclure ? Non, 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 non ! Dis donc, ta carte, elle marche partout ? Bien sûr ! Oh, mais c'est formidable ! J'ai déjà réservé une voiture quand on arrivera à Nice le mois prochain. Il y a des agences Avis dans toute la France. Avec ça... Je peux t'emmener partout. Ah bon, partout ? Oh, ben c'est justement là où je voulais aller. Oh, allons-y. Pour tout renseignement sur la carte Avis Club Senior, appelez gratuitement le 0800 51 52 53. Richard Gere et Andy Garcia, l'enfer, c'est chacun son tour. Il y a un public qui sent le week-end et qui sent bon la campagne parce qu'ils viennent de province. Ah, demain, oui. Vous n'oubliez pas, demain sur France 2, 20h50, réalisé par Dominique Colonna, le dernier Fête à Fête de la saison qui dure 2h30. Wow. Donc, si vous n'êtes pas là, mettez une cassette longue. Et si vous êtes là, mangez tôt ou tard. Mais comme maintenant, ça y est, on arrive vers l'été. C'est vrai, c'est il y aura Stone Charden, Chico et les Gypsies, Patrick Bosso, Frédéric Lebon, très bon imitateur des femmes. Sylvain Mirouf, grand séducteur, le magicien de la maison. Les Toubisseries. Ah. Les quoi ? Les Toubisseries ? Les 2x3, ça fait 6. Donc les Chevaliers du Fiel, Soldat Louis, Christophe Lévesque, Stéphane Guyon, Sylvain Augier, Marc Lavoine, Eli Kaku, Adamo Imouvrini, Gad Elmaleh. On va passer un moment, c'est Antoine qui sera là. On va chanter, danser et fêter la France.
On va accueillir maintenant un duo. On ne parle que de ce film. Vous avez remarqué, le bouche à oreille, c'est quand tout le monde dit t'as vu, il paraît qu'il y a un film qui sort. Il n'est pas encore sorti et tout le monde parle de ce film. Alors je dis, il faut que j'aille le voir. Je l'ai vu donc, puisque je vais accueillir deux des acteurs, il fallait que je le voie. Et j'ai rarement ri comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup ri. Et quand j'irai maintenant acheter un vêtement dans le quartier, donc il est question dans le film, je vais partir avec l'accent comme ça. Ils s'appellent Bruno Solo et Richard Anconina. Ils sont les héros de La vérité si je mens. Avec à leur côté Vincent Elbaz, très drôle, Anthony Delon, remarquable, José Garcia, irrésistible, Eli Kaku, énorme, Richard Boringer, Roméo Sarfati, entre autres, voici Bruno Solo et le grand Richard Anconina. Richard, viens là. Richard et Bruno. Alors je m'adresse aux provinciaux qui sont là et qui sont devant le poste. Si vous ne connaissez pas Paris, si vous venez à Paris, vous irez dans le quartier du 2e arrondissement, qui était un quartier qui est coincé entre le boulevard Bonne Nouvelle, la rue du Sentier et la rue d'Aboukir. C'est un des quartiers de Paris consacré presque exclusivement à une seule activité, le vêtement. Et le système est basé sur la rapidité, la vivacité des vendeurs. Il faut s'adapter en permanence à ce qui est sensible au moindre choc économique. Et c'est un milieu où l'argent est quelquefois dépensé de manière voyante. Mélange incroyable de nationalités. C'est un lieu extraordinaire pour tourner une comédie. Il en parle bien. Parce qu'il y a l'accent. Et voilà. Alors maintenant que j'ai dit ça, Eddie Vubert. Oui. Richard Anconina, homme au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Voilà, au début du film, c'est un personnage qui, voilà, qui n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. À la suite d'un quiproquo. Il y a un entrepreneur prospère du Sentier, joué par Boringer, qui le prend pour un juif d'abord, qu'on licencie de Canam, et l'embauche comme un manutentionnaire. Voilà. Et puis, comme on dit, il s'élève dans la hiérarchie. Il va s'élever dans la hiérarchie. C'est vrai qu'il va être surtout fasciné par le milieu du Sentier, ça va, ce sont des gens chaleureux. Chaleureux, très sympathiques, ont une aisance de vie, oui. Surtout qu'ils sont, qui ont des grosses prédispositions à la qualité de la vie, qui aiment sortir, qui aiment manger, qui aiment sortir avec et les dans amis. Cette bande, il y a Yvan. Bruno, voilà. Solo. C'est drôle parce qu'ils t'ont donné le prénom d'Yvan. Ouais, non, mais c'est Bruno un petit Solo. Clin d'œil, un petit clin d'œil. Tu travailles dans le tissu aussi. Bah oui, mon père, visiblement, on l'apprend au détour d'une scène, est patron aussi dans le Sentier. Je suis le premier à qui Richard va s'adresser pour l'aider un petit peu à profiter de cette ascension qu'il sent, parce qu'il a tout de suite repéré les codes, les repères. Il a repéré la fille du patron aussi. Hein. Il a repéré la fille du patron, et si c'est pour ses yeux, c'est pour les yeux de l'amour, en fait. Oui, bien sûr. Il va avoir envie d'accéder au sommet. Tu vas l'aider. Mais moi, justement, non, au début, mon personnage, il a envie de l'aider, mais il est un peu veule, il n'ose pas trop. Et quand il sent que le vent va bien tourner, effectivement, là, il va s'engouffrer. C'est un peu le personnage d'Yvan, quoi. Il y va quand il est sûr. C'est une comédie, c'est surtout une étude d'une communauté, d'un milieu où l'on peut commencer à zéro, monter très haut. Ce qui ne privilégie pas les diplômes. Hein. Mais c'est ça qui est formidable dans le Sentier. Il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup de gens dans le Sentier qui ont des magasins et je pense que tout le monde peut devenir une grosse réussite du vêtement comme Chevillon, comme Dafnaf, comme Blanc-Bleu. Alors que vous soyez riche, nouveau riche, ancien riche. Que vous soyez magouilleur, pas magouilleur, il y a une chose qui compte et qui fait l'unanimité dans ce quartier, c'est la famille. La famille, c'est quelque chose. Oui, c'est très important. Même quand on est goy, on s'en rend compte. Surtout quand c'est on est goy. Surtout ce qui va attirer. Quand on n'est pas juif, on s'en rend compte. Surtout ce qui va attirer le personnage que je joue, Eddie, il va être fasciné par tous ces gens qui sont très soudés, très unis, très ensemble, qui s'aident. Et c'est vrai qu'il va avoir envie de se blottir et surtout de leur ressembler, être comme eux, avoir cette aisance de relation, de se toucher. Alors le film est de Thomas Gilou. Oui, mais c'est vrai. On a l'impression de retrouver un peu l'atmosphère du grand pardon. Tactile. Quand on voit Roger Hanin, quand je le vois, je suis sûr qu'il va me dire « Alors, poulet !» C'est ça. Et Enrico également. Parce que les joues sont... Voilà, ils aiment bien. Et les filles, et quand on les voit avec les femmes, ils ont envie de faire la même chose, mais ailleurs. Thomas Gilou est un metteur en scène qui a bien vu. Hein. Vous vous souvenez de Black Micmac? Alors, il y a donc Eli Kaku, José Garcia, Vincent Elbaz, Anthony Delon, Richard Boringer, Roméo Sarfati, Bruno Solo et Richard Anconina. J'ai bien cité Horatica, Amira Kazar, Gilbert Melki. Pour citer tout le monde, voilà. Et Le Sentier, qui est la vedette du film. Regardez la bande-annonce, vous allez mettre des images sur tout ce qu'on vient de dire. La vérité, si je mens. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail, je suis dans la merde. T'as qu'à passer à la boutique, parce que la vérité, tu fais de la peine. Hein. Attends, mais t'es con ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fous, là? C'est de la merde, ça, de la chfafa. Ah non, je suis pas médecin. Ah bah oui, bah ça va avec.
fais le même pour Patrick Bruel. Qu'est-ce qu'on y prépare à Patrick ce soir? Attends, je vais chauffer la petite fille, celle avec les gros seins. Oui, oui, oui. Là, comme il est beau, il n'a pas changé. Montre la bague, chérie. The ring, look. Oh putain, j'adore ce morceau. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Tu le connais, flatte-le d'abord, il adore qu'on le dise qu'il est plus fort. Attends, j'aime bien du monde. Ma fille, c'est pas un jouet. Ça tombe très bien, j'ai plus envie de m'amuser. Eh ben voilà ce que je voulais entendre. Eh ben tu vois, il est réglo. T'es gonzé, je crois qu'on peut pas avoir plus stické que moi. Moi t'as niqué les plus belles, Patrick, sur ma vie, hein. La vérité, c'est que j'en ai marre. Avec les mains. Justement, ça, à ce sujet-là, dans le sentier, il y a une... Ils nous l'ont expliqué, parce qu'on a beaucoup tourné dans le sentier, on a rencontré beaucoup de gens du sentier, ils nous ont expliqué que l'accent, c'était quelque chose dont ils avaient conscience. Ils avaient conscience que l'accent avait un pouvoir attractif, un pouvoir de conviction et de séduction aussi. Donc, ils s'en servent pas nécessairement tout le temps. Vincent Elbaz, notamment le rôle de Dove, on voit qu'il s'en sert à certains moments, quand il est dans le groupe, quand il est dans le hamam. Autrement, dans la vie de tous les jours, ça ne sert pas nécessairement. Mais puis, ce qui est bien vu dans le film de Thomas Gilou, enfin, la façon dont il a traité le film, c'est que on connaît tous des gens du sentier, et puis moi, j'ai habité. Tu as vendu du tissu, toi? Non, j'ai pas vendu, mais j'ai habité Étienne Marcel et je connais bien les gens du sentier, j'ai des amis dans le sentier, et c'est vrai que ce film, c'est un regard sur ces gens extrêmement sympathique, vraiment précis, toujours respectueux et toujours très chaleureux. Et c'est ce qui m'a plu dans le scénario. Vous qui nous regardez, vous portez sans doute tout des robes, des vêtements, des vestes qui viennent de là. Hein. Oui. Tout part de là. Hein. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est une économie qui va très vite, très vite. Il faut s'adapter. Le jour le jour. Et quand vous parlez de l'argent tout à l'heure, ils ont un rapport très ludique vis-à-vis de l'argent. Ça plaît pas à tout le monde, effectivement. Mais c'est très ostentatoire, effectivement. L'argent, par exemple, José Garcia, qui est un loser dans le film, il est tout le temps avec nous. Il ne parle que de fric. Et jamais personne ne lui demande comment il va payer le resto, comment il va payer ses chambres d'hôtel. Il fait partie de la famille et il fait partie du groupe, donc l'argent il est pour tout le monde et ils ont un rapport de troc, un rapport oriental qu'on n'a pas les c'est catholiques vrai. Et qu'on n'a pas les catholiques et les protestants. Bruno, et Richard, pour rester dans l'atmosphère du film, Olivier Ménard est allé dans le sentier. Voilà ce qu'il a ramené. Très bien. D'après vous, quelle est la qualité essentielle qu'il faut avoir pour réussir dans les affaires? Des sous. Le sourire avec du pognon. Avec ça vous arrivez dans le monde où vous voulez. Salut Maurice. Se coucher une fois que le soleil s'est couché et se réveiller avant que le soleil se lève. Bien répondre à Lionel. Faut être malin et filou. Ah, faut être filou, ça revient souvent. Faut être filou, parce que dans la société qu'on vit actuellement, on est obligé de faire des virages. Ce bouson, je lui ai vendu 950 francs alors que je l'avais acheté que 450 francs. Faut réfléchir, faut voir un petit peu dans la rue qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire aller comme maintenant, on est en train de voir une nouvelle affaire. Et surtout... Et surtout, être un bon acteur. Faire semblant d'aimer les clients. Ah ouais. Voilà. D'accord. Moi, tous mes clients, ils croient que je les adore. Et quand vous recevez le client, est-ce que vous avez une formule pour l'accueillir, pour le mettre à l'aise? Le sourire commercial. Vous m'en direz des nouvelles. C'est bon. C'est bon pour taper ça, hein. Tu fais des gros bénéfices, hein. J'achète au moins prix. Le moins cher possible? Oui. Ouais, et vous revendez? Et je vends pour gagner pas beaucoup. C'est très bien fait, ce reportage. Je peux dire quelque chose là-dessus? C'est formidable, t'as vu? Mm-hmm. On a vu un reportage, ce sont des gens de la vie. C'est pas un film sur le tournage. Et c'est drôle. Fait, hein. Et ils sont drôles. Ouais. Toute la salle riait. C'est ça, ils sont extraordinaires. Ils ont des gens très sympathiques. Ouais. Ils ont ce pouvoir de comédien. D'ailleurs, de la même façon que lorsque Scorsese traite la communauté italienne à New York, on les voit, ils sont en couleur, ils sont des personnages. Il faut dire également que c'est une étude, évidemment. Très, très drôle sur ce milieu. Et c'est vrai qu'il faut le dire au départ, t'es accueilli d'autant plus facilement qu'on pense que t'es le prototype même du bon juif. Voilà, parce qu'il y a un qui comprend, parce que lors d'une bagarre, la personne qui me recueille, à savoir Richard Boringer, trouve une magaine David par terre, une étoile de David. Oui. Et donc il la ramasse et il est convaincu que c'est à moi, parce que c'est à l'endroit c'est où pas je suis la tombé. D'où le quiproquo. Et peut-être que physiquement, il y a peut-être aussi un truc, mais ça m'étonnerait, je pense pas que c'est vrai que tu fais pas ton scandinave. Stéphane, à moi, savoir. Oui, on va rester avec Richard Anconina, qui a déjà derrière lui une belle carrière. Tu en as fait des choses dans ta vie. On va revoir ça en photo, tu veux bien? Ah oui. Voilà. Mais avant de parler de Richard, je vais vous dire que lors de cette même séquence, donc la semaine dernière avec Antoine Decaune, je vous ai montré la silhouette d'Antoine et de Philippe Gildas que vous allez voir là. J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'une acrylique. Comment? Oui, je pensais que c'était Boujna. Non, c'est bien Gildas. Alors, j'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'une acrylique sur toile de Klaus Guingamp intitulée L'ombre de Philippe Gildas et Antoine Decaune. Voilà. Ah, voilà. Donc l'auteur doit être content. C'est pas emmerdé pour le titre en tout cas. Comment? Oui. C'est pas emmerdé pour le titre. Alors on va passer en revue justement.
justement quelques moments marquants de votre carrière. Bruno sera la prochaine fois. Oui, bien sûr, quand j'aurai 20 ans de carrière. Et Bruno, et ce sera, j'ouvre une parenthèse. Bruno, Bruno, je sais que tu adores faire l'acteur, José Garcia également, mais là, je pense que ce film-là va changer ta vie quand même. C'est quand même un rôle très important. Ouais. C'est peut-être le rôle qu'on t'a donné. Je dessus, Michel, je voulais arrêter de faire une parenthèse par rapport à la télévision parce que c'est pas tellement une carrière que je vis, c'est une autre vie. Et, bien sûr. Et la vie que je, dont j'ai toujours rêvé jusqu'à présent, c'était de jouer. Okay. L'opportunité m'en est donnée, je vais essayer de le faire. Et d'ailleurs, j'y crois tellement à ta carrière que je t'ai même passé. T'inquiète pas, je suis là. Et je crois tellement à ta carrière. Je crois tellement à ta carrière, Bruno, que je t'ai prêté une veste. Oui, c'est vrai. Ouais. Et elle vient d'où d'ailleurs cette veste? Des sentiers. Et oui, Chirouti. Mon fils. Les routis sont des gens charmants. Alors, des moments importants, eh bien, on peut parler des débuts. Et j'ai retrouvé une photo d'un film qu'on ne voit pas toujours dans votre bio. Alors, je comprends pas pourquoi. C'est le film s'appelle. Vous allez m'aider. Comment se faire réformer? Comment se faire réformer? C'est pas Fernand Le Gros, ça? Alors on ne voit pas beaucoup. C'est un trafiquant de tableau. Là, tout début, à mes premiers pas dans ce métier, lorsque je faisais des figurations, j'avais fait une figuration. Et t'as un couvre-chef prémonitoire. J'avais fait une figuration aussi dans. Je crois que c'était un film de Yves Robert avec Jean Rochefort. Je crois que c'était Nous irons tous au paradis. Ah, t'as même mais je faisais un passage, un piéton. Ah oui, mais si le film n'est pas dans votre bio, c'est qu'on peut en parler quand même, il n'y a rien de... Non. Alors ça, c'était pour le cinéma. C'est une scène très hard, juste après, il enlève le chapeau. Voilà. Continue, ça me fait une figuration dans l'inspecteur La Bavure aussi. Inspecteur La Bavure. C'est Coluche qui t'a mis sur ce coup. C'était un peu plus que ça, c'était une silhouette. C'est une silhouette. Il faisait faire plusieurs petites choses. Alors début au cinéma, on vient de le voir. Début au théâtre, eh bien, ils se sont fait peu de temps après avec Notre-Dame de Paris, mise en scène de Robert Hossein. Voilà l'affiche, mais on vous voit après avec toute l'équipe ici. C'est toi là. Quel rôle? C'était un rôle, une figuration? Figuration. C'était la Cour des Miracles? Figuration, la Cour des Miracles. Cour des Miracles. Robert Hossein qui disait que vous étiez bondissant, bouillonnant d'impatience, mobile, rapide et remarquable. Quoi d'autre à ajouter? Casse-couille? Je peux rajouter. Non, je sais pas. Anxieux, c'est un anxieux. Non, mais. C'est un comédien. Impossible. C'est un acquis quand même. C'est un acquis. Tu vas lui mettre les boules. Il est pas anxieux. Pourquoi tu dis qu'il est anxieux? C'est un compliment. On est tous anxieux. Regarde Bruno, je suis anxieux, lui. Je suis très sensible. Alors, hautement marquant, vous dites, si je me trompe, il y a eu un an après le film Le Bar du téléphone. Avec un autre débutant, Christophe Lambert. Avec qui vous avez. Monsieur Barrois qui a fait d'autres choses derrière. Claude Barrois. Exactement. Et vous avez même dit, enfin, à propos de Christophe Lambert, si vous aviez eu un frère, vous auriez aimé que ce soit lui. Oui, j'ai la relation que j'ai avec lui, si j'avais eu un frère. Si vous aviez un frère, c'était Bruno Solo. Je t'ai dit ça il y a 15 jours, il y a 15 jours. Non, mais c'est vrai, j'ai pas de frère, donc c'est vrai que c'est, la relation que j'ai avec Christophe, c'est... Tu te souviens, t'étais venu lui parler d'un film de Sherlock. Il a deux enfants. Il y a pas c'est pas si d'entendre ça. Et les films avec lui, vous les cherchez ou vous laissez faire le hasard? Non, on laisse faire le hasard. Et ça vient comme ça. Oui. Alors, dans vos interviews, il y a un film qui revient souvent, c'est Le Choix des armes. D'Alain Corneau. D'Alain Corneau. Alors, c'est vrai que vous dites que vous avez été repéré et reconnu par la profession après ce film et que surtout de jouer avec Depardieu, ça vous a beaucoup aidé. Vous gardez quel souvenir de Depardieu? Bah, vous savez, quand on débute dans ce métier, que, c'est vrai que c'était un personnage extrêmement phare pour moi, comme l'était Patrick Devers, parce que c'était pas loin de ma génération, quelques années de plus, et puis tellement puissant, tellement fort, j'étais très impressionné par lui. Donc j'étais très flatté et très heureux et très stimulé d'être devant Gérard Depardieu à ce moment-là. Et devant Jean-Paul Belmondo dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Il y a une photo avec Jean-Paul. Vous pouvez passer la photo, oui, s'il vous plaît. Voilà Jean-Paul, voilà, avec Claude. Quand Jean-Paul Belmondo, c'était formidable. C'est vrai, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je fais ce métier. Avec... Oui. Bon, ça fait... Mais avec Jean-Paul, c'est pareil. C'est deux locomotives quand même. Ce qui se passe, c'est qu'avec Jean-Paul, dans le type de film qu'on avait fait avec Claude Lelouch, c'est formidable d'avoir quelqu'un comme lui, surtout dans la méthode Lelouch. Et puis, on s'est entendu à merveille. Et puis, on a pu faire des scènes comme ça sur l'improvisation. Ça l'amène à avoir deux Césars pour Chopin quand même. Si je parle des moments marquants, je peux pas. Deux pour le même film. L'espoir et le deuxième rôle. Hein. Ouais, meilleur jeune espoir français et meilleur second. C'est rare, c'est jamais arrivé depuis d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois. Il y a une loi qui a été votée. Je sais pas. Voilà avec Coluche. Et voilà avec César. Alors, enfin, vous allez voir, avant-dernière photo que je tenais à montrer, c'est pour le lancement du téléfilm Fortitude que vous avez interprété en anglais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, pour un acteur de français, de pouvoir jouer en anglais peut offrir de nombreuses opportunités ou c'est quelque chose en plus ou aujourd'hui il faut passer par là? Moi j'attends que si La Vérité si je mens soit doublé en anglais avec l'accent du sentier. Ça je vais bien rire. Hein, ça va être génial ça. Mais il y a plein de gens du sentier qui ont réussi à Miami. Bien et sûr. Bruno, tu parles anglais couramment? Oui, enfin, couramment je le parle quand même. Oh non. C'est moins des choses. Richard. You speak just a little? Non. Yes, I do. Non, mais lui par contre, c'est de la flemme, tu parles pas. Non, Bruno, tu as joué en anglais ou pas?
Non, mais moi j'ai fait le film en anglais. Oui, c'est ça. Jouer en anglais, je sais pas pour l'instant. Si j'arrive à jouer un petit peu déjà dans mon quartier, c'est déjà pas mal. Alors l'Angleterre, on verra plus tard. Non, mais j'ai eu cette chance-là et puis ils ont gardé ma voix et j'ai pas été doublé. Ouais. Et c'est du boulot, il faut vraiment bosser. Oh, le bien sûr. Non, mais tu mens vachement bien. De toute façon, c'était un talent. C'est vrai. C'est extraordinaire. Voilà. Eh bien, voilà, on va te donner la cassette, hein, ces photos, on va te les donner. Tu gardes, tu gardes beaucoup de choses? Ah oui, j'ai plein de photos, j'ai plein de souvenirs, mais vraiment. Est-ce que ta famille garde tout également? Pas tout, mais ils gardent les choses qui... Non, ils achètent pas tout. Ils... On a retrouvé un vieux short à toi et on voudrait te le présenter, il est ici. C'est vrai que ta famille... Oh, j'étais gros. D'ailleurs, ta famille, comme beaucoup de gens d'Afrique du Nord, d'ailleurs, ça aurait pu l'être, a voulu s'installer au Canada? On a immigré au Canada, on n'a pas voulu. Tu as grandi au Canada? Oh, pas grandi, parce que. Tu es resté combien de temps au Canada? À peu près un an, mais on n'est pas resté suffisamment longtemps, oui. Et puis, t'es revenu. T'as des souvenirs précis quand même? Oui. Il faisait froid. Montréal? Montréal, il faisait froid et c'était une situation difficile parce que. La scolarité était compliquée pour nous, parce que ma mère s'adaptait pas très bien et puis mon père bossait beaucoup et on est tous rentrés. Je vous signale qu'il a abandonné l'école à 14 ans, mais qu'il est devenu acteur à 27. Ça veut dire qu'entre 14 et 27, il a rien foutu. Il en a fait des petits boulots. Si. Et j'ai la liste, moi. Il a dormi. Et monteur électricien, agent hospitalier, animateur d'un établissement pour retraités. Ah ben non, c'est plus que ça. J'avais un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur socioculturel. Et puis je me suis occupé de personnes âgées très sérieusement pendant 3 ans et demi de ma vie. Eh ben, je te présente David Martin, donc, qui est là. Oui, tu veux que tu après ce essaye de trouver. T'as pas travaillé dans les cuisines, rien? Non. Non, t'as pas été avec toi, Bruno? Non, je ne suis pas cuisine si, du tout. Il ne veut pas le dire. Non, je l'aurais dit, je vous assure. Je suis en forme pour ça. Tu as jamais mangé un melon en rosace? Non, mais pour melon en rosace, ouais. si, melon en rosace. Chez Flunch. Oui. Chez Flunch. Ils me font bien. Solo. C'est là-bas. Voici le melon en rosace de David Martin. Melon quoi? Melon quoi? Ah bon, c'est quoi? Allez, on va là-bas. Allez, on y va. Pour l'accompagner. On va. Bien. On mange très très bien dans le sentier, entre parenthèses. Oui, ouais. On mange les falafels notamment. Vous savez faire les falafels? Ouais. Ouais, c'est très non, très bon. je préfère pas les faire aussi bien. Alors là, je vous demande de ne pas déconcentrer l'artiste. Ouais, c'est un grand artiste, ça va être, David. Vous allez voir, ça va être très très simple. Il se concentre, il arrive le matin, il s'isole, il marche dans le studio. C'est du pinard, ça? Mon melon, ma rosace, mon melon. Pas du pinard? Non. Plus tard, pour plus tard. Pour plus tard. Bien. La 5, on m'a dit que c'était le gros plan sur la 5. Fous pas la merde. Et quoi, cuisine? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les melons arrivent. C'est le fruit de l'été. Ils viennent d'arriver? Bah oui, c'est les premiers qui sont... Comment on annoncerait ça dans les décisions? Les melons arrivent. Je sais pas, peut-être. Vous faites bien, hein, Michel. D'ailleurs, tiens. Et j'ai encore le film dans la tête. Pas tous l'accent. Beaucoup, quand même. Pas beaucoup. Anthony Delon l'a pas, lui. Mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il est très dans le film, hein. Peu. Celui qui a le plus, c'est quoi? C'est José. C'est José, ouais. José. Mais attention, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que les Juifs tunisiens ont un accent plus marqué, les Juifs marocains n'ont pas beaucoup d'accent, les Juifs algériens, interprétés par Eli Kaku, par exemple, ils ont encore un autre accent. Eli Kaku. Il y a des variations dans Eli les accents. Eli Kaku qui veut lui vendre une veste à carreaux, avec une chemise à carreaux, et un manteau à carreaux, et le stylisme. Il n'y a pas trop de carreaux, mais non, c'est très bien. Bien. On y va dans le melon. On y va, c'est parti.